Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur notre chaîne YouTube pour vous parler de Cheval Match. Je suis Alexandre Soudariev et à présent derrière mon dos, vous voyez un tracteur. Nous avons enfin reçu le conteneur tant attendu en provenance de Chine qui se trouve là-bas. J'espère que vous pouvez toujours m'entendre. Au moment où je vous parle, le déchargement est en cours. En fait, le conteneur a déjà été partiellement déchargé. Par exemple, nous avons déchargé ce tracteur qui est une sorte de chargeur multifonctionnel et qui nous permettra de nettoyer le terrain, de charger et décharger des véhicules spécialisés qui viendront à l'entreprise. Il a de nombreux avantages, par exemple, il est assez petit et pourra se déplacer sans aucun problème, même à l'intérieur de notre bâtiment. En plus de l'appel principal, des outils supplémentaires sont également disponibles et peuvent être utilisés à des fins différentes. Il y a des brosses pour nettoyer le terrain, il y a des fourches, etc. En outre, ce qui est important, nous avons réceptionné les portes tournantes. Je pense que beaucoup d'entre vous les ont vues dans les centres commerciaux. Il s'agit de portes qui empêchent l'air froid de pénétrer dans le bâtiment tout en maintenant la possibilité d'accéder au hall d'entrée. Ces portes seront installées à l'entrée principale du bâtiment administratif et technique. Les ouvriers déchargent également d'autres matériels qui ont été livrés. En général, le 18 mars est une journée bien chargée pour l'entreprise. Je vous propose de faire un petit tour du bâtiment pour voir les travaux qui sont en cours en ce moment-là. Voilà le secteur de répartition de l'air froid. Cependant, il fait assez chaud ici. Je pense que nous pouvons entrer pour voir ce que les ouvriers font là-bas. Je vous en prie. Il vous semblait que tous les travaux aient déjà été achevés du côté de la chaufferie, mais non. Nous avons terminé le marquage des tuyaux et maintenant des travaux sont en cours sur les réseaux de ventilation qui sont assez nombreux dans le bâtiment du BTUI. Bien que nous vous le disions dans presque chaque vidéo, en effet la quantité de travail est grandiose. Mais on voit que nous nous approchons progressivement vers l'achèvement de la construction. Allons-y. Voilà, vous voyez ces fameux outils complémentaires pour notre chargeur multifonctionnel. Vous pouvez voir qu'il y a des vis spéciales pour nettoyer le terrain de la neige, ce qui est très pertinent et ce qui nous permettra d'économiser de l'argent pour l'exécution de ces tâches. D'autres marchandises ont également déjà été déchargées.
Allons voir les portes. Voici les portes tournantes dont nous vous avons parlé, ainsi que le matériel de production. Il n'est pas trop grand ce matériel-là, mais très utile. Le travail avec nos machines ne s'arrête pas. Je voudrais saluer Sergueï. Voyons ce qu'il fait. Sergueï, qu'est-ce que vous faites ici? Je vais vous donner le micro. Dites-moi alors ce qui se passe. À présent, nous effectuons des travaux de tournage pour la fabrication de la douille pour le rotor de la roue moteur. Ici, vous voyez les pièces à usiner qui ont été sciées à l'aide d'une scie à ruban. Voilà une pièce à moitié usinée. Elle a été une fois installée dans la machine pour le traitement. Et là, ces quatre pièces ont déjà été entièrement usinées après deux passages dans la machine. Eh bien, je pense qu'il est important de terminer cette vidéo justement à cet endroit, parce que les portes que vous avez vues emballer seront installées ici et nous devrons bientôt effectuer tous ces travaux. Je pense que, bien sûr, cette zone aura un magnifique aspect. Et puis, comme nous l'avons déjà dit, ces portes nous aideront à garder la chaleur dans le bâtiment sans la laisser s'en aller dehors. En fait, tout ce que nous vous avons montré dans cette vidéo, ce ne sont pas toutes les activités, les travaux et les tâches que nos ouvriers et nos employés effectuent actuellement. La préparation des documents pour obtenir une conclusion sur l'achèvement de la construction est en cours. Cette procédure a déjà commencé et des responsables ont déjà visité nos locaux en vue de l'inspection d'état destinée au contrôle de la construction. Il s'agit en fait des représentants de notre entrepreneur général, des entrepreneurs impliqués dans les travaux, ainsi que nos employés responsables et d'autres. Ce n'est pas un processus rapide, c'est plutôt compliqué, je dirais même bien compliqué, mais je pense néanmoins que nous pourrons le gérer avec succès. Maintenant, notre tâche est de préparer autant que possible notre BTOI à la date prévue pour la livraison à la Commission d'État. Et puis, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Mais dans tous les cas, nous faisons notre possible afin d'aborder le plus efficacement et correctement le processus de livraison du bâtiment à la Commission d'État. Il ne faut pas oublier qu'après cela, il faudra passer par une commission qui autorisera déjà la mise en service du BTOI. Je voudrais le préciser pour éviter la confusion. L'achèvement de la construction du bâtiment est notamment ce que nous faisons maintenant. C'est tout ce qui concerne les systèmes de viabilisation, la carcasse du bâtiment, la construction du bâtiment en lui-même. La prochaine étape sera la livraison du bâtiment en tant qu'entreprise possédant des capacités de production. Il s'agit des machines-outils et de tout notre équipement. Voilà comment cela se passera. À présent, les travaux de finition se poursuivent. Les ouvriers posent du carrelage dans les sanitaires et préparent les murs au premier étage pour la peinture. De petits défauts sont éliminés et le travail se poursuit au deuxième étage aussi. Au premier étage du bâtiment administratif, des structures de séparation des pièces ont déjà été installées. Il s'agit de cloisons antérieures, de panneaux et d'autres matériels. Au deuxième étage de la partie de production, le travail ne s'arrête pas non plus. Les ouvriers continuent à réaliser une chape d'égalisation sèche du sol et nous nous préparons à réceptionner l'équipement de production pour l'installation SMD. Il s'agit des cartes et de la microélectronique. Bien sûr, les travaux avec les systèmes de ventilation se poursuivent. Nous les avons montrés à plusieurs reprises et je vous le dirai à nouveau. Je parle de la ventilation, de la climatisation, de l'installation d'unités de réfrigération, de plus l'installation du chauffage, de radiateurs et de câbles là où cela n'a pas encore été réalisé se poursuit.
Nous n'allons pas empêcher les ouvriers de travailler. La vidéo est déjà assez longue, mais j'espère que notre reportage a été utile pour vous et agréable à regarder. Merci pour votre soutien. Surtout, n'oubliez pas que la vitesse d'exécution des travaux dépend entièrement de vos investissements. À bientôt.